Les meilleurs DJ sont à l'Electro Beach avec Fun Radio. Henri PFR est en interview ici depuis l'Electro Beach Music Festival. Salut Henri. Ça va bien ? Bah, ça va très très bien. Alors je vous explique, avant de parler de musique, avant de parler de l'EMF. On va directement me tacler. Henri PFR est un DJ belge. Et la Belgique a perdu contre la France il y a 2 jours, 1-0. J'ai sorti, regarde Henri. Oui, je le vois. Mais il est très beau, il est très beau. Le t-shirt de l'équipe de France. Alors, je sais que tu étais en Russie. Raconte-nous un petit peu comment tu vis cette Coupe du Monde et ce match, tu étais où ? Ouais, ben en fait, genre, après notre qualification des Belges en demi-finale, j'ai un ami qui m'appelle, qui dit, viens, on part en Russie, on va voir la demi-finale en live. Incroyable. Ben ouais, grave quoi. On avait l'occasion, on a trouvé un petit plan pour avoir des billets en dernière minute. Donc, on est parti en Russie, on arrive en Russie et puis là, c'est le match. C'est la défaite. Honnêtement, je suis méga triste parce que bon, j'ai quand même clairement la Belgique, c'est mon pays de cœur. Mais après, je vais être honnête, dans mon top 2, c'était la France. Donc au final, il y a quand même la France qui est en finale. Je suis content pour la France, je suis triste pour la Belgique parce que je trouve qu'ils ont fait un super beau mondial. Limite un peu plus beau que la France. Mais non, mais vraiment, c'était un beau match et du coup, une belle victoire pour la France. Et vous allez en finale, c'est trop cool pour vous. Et ton pronostic pour France-Croatie, la finale ? C'est dangereux ça. Je vais dire, je pars sur un 2-1. Bon. 2-1 pour la France. Ça va. Je t'aime bien. Je suis sur Fun Radio, hein, je dois faire attention à ce que je dis. Bon, Henri, tu sors de scène là, ici à ouais. L'EMF. Comment c'était ? C'était incroyable. C'était chaud. Très chaud. Je suis tout transpirant. Mais c'était génial. C'est le plus grand festival électro de France. Pour moi, c'est un rêve d'être ici. Quoi. Et là, pouvoir avoir pu jouer sur cette scène de l'EMF avec une affiche avec Diplo, Joe, c'est Oliver Heldens, Backermat, ouais. C'est une affiche de fou. Et pouvoir me glisser entre tous ces noms-là, c'est juste génial. C'est un rêve de gosse qui est un peu devenu réalité aujourd'hui. Quoi. Ouais. On est dans le sud de la France, mais tout à l'heure, j'ai fait une interview d'auditrice de Fun Radio, mais qui nous écoute partout en Europe, tu sais, sur funradio.fr. Ouais. Donc, il y avait une Italienne, il y avait une Allemande. Et donc, est-ce que tu as vu des drapeaux belges, des drapeaux de ta nation ? J'ai vu des drapeaux belges. Ah ! Oui, quand même, évidemment. Et j'ai vu des maillots de foot belge. Ah aussi. Non, c'est vrai ? Si, ils l'ont porté. Là, ils ont osé. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est vraiment de voir autant de personnes, d'autant de nationalités différentes qui ouais. se réunissent ici pour l'EMF et pour faire la fête tous ensemble. Quoi. Donc c'est fou. Et d'ailleurs, à la fin, j'ai demandé, ouais, on va faire une photo tous ensemble pour mon Instagram. Donc j'ai dit, est-ce que je peux voir tous les drapeaux en l'air ? Et il y avait tellement de drapeaux dans la foule, c'était incroyable. Comment va se passer ton été après l'EMF ? Là, tu prends l'avion, tu restes un petit peu dans le sud de la France ? Alors, dès demain, là maintenant, donc déjà d'ici quelques heures, je vais jouer une after party à un club juste en face de l'EMF. Le Marina. Exactement, le Marina. Et puis après, dès demain, je pars au Cap d'Agde où je vais jouer à l'Amnesia. Ça va être très très cool. Et puis après-demain, retour en Belgique. Et puis, c'est tous les jours pour l'instant. Et puis les dates importantes pour moi, c'est Tomorrowland. Exactement. Je voulais t'en parler. Tomorrowland, main stage de Tomorrowland, ouais, comme l'année dernière, le incroyable. Samedi 27 juillet à 18h50. Je suppose que cet événement Tomorrowland, on y sera à Fun Radio. Donc tu pourras venir. On va se voir alors. Voir. Bah, on va se voir, cool. Évidemment qu'on va cool. se revoir. Comment tu prépares un petit peu ce set à Tomorrowland ? C'est forcément un particulier pour toi qui es belge. Ouais, c'est mon pays, donc je dois vraiment, je peux pas décevoir. Et en plus, ce qui est génial, c'est que l'année dernière, j'ai joué sur la main stage de Tomorrowland. C'est super bien passé. Et j'avais joué de 16h à 17h, donc ouais. début d'après-midi. Et cette année, ils m'ont fait confiance et ils m'ont mis à 19h. Donc, c'est 19h à 20h, c'est une heure de fou, quoi. C'était l'année dernière, il y avait Don Diablo, Robin Schulz ou Martin Solveig qui jouaient à cette heure-là. Ouais, c'est vrai. Et cette année, j'ai la chance d'y être. Donc ça va être incroyable, mais je suis super stressé. J'avoue que c'est honnêtement la date de l'année. Et donc, c'est le stress de l'année aussi pour moi. Mais ça devrait bien se passer. Hein. Il y a eu aussi une très belle date, c'était il y a 10 jours à Disneyland Paris, toujours ouais. avec Fun Radio à l'Electroland. À l'Electroland. Comment ouais. ça s'est passé ? C'était trop chouette. Mais c'était à Disneyland Paris, donc c'est le pays des rêves et pouvoir mixer dans le pays des rêves avec tout le monde en face de toi. Non, c'était incroyable. Et l'infrastructure, je ne m'attendais pas à autant de monde à Disneyland Paris qui viennent pour le festival au final. Et c'était une super belle réussite. Quoi. Ils ont cartonné, je pense, Disney avec cette soirée-là. Henri PFR est notre invité ici à l'Electro Beach sur Fun Radio. Henri, ton actualité, c'est que tu viens de sortir un morceau ? Catching Butterflies, exactement. Vas-y, dis-moi. C'est mon tout nouveau morceau. Je vous invite vraiment à aller l'écouter, soit sur Fun Radio, qui sait, soit sur tous mes réseaux, donc Henri PFR, Chaineri, Espace PFR. C'est un morceau sur lequel j'ai passé quand même 7-8 mois maintenant à travailler tous les jours dessus. J'ai voulu faire quelque chose de différent, que je considère comme un peu plus mature, un peu plus travaillé, un peu plus recherché. Et ça... Pour l'instant, je vois que ça plaît bien. J'ai vraiment des chouettes retours des gens. Et donc, je suis vraiment curieux d'avoir aux auditeurs de Fun Radio votre retour à vous. Donc, n'hésitez pas à aller écouter et à aller commenter sur YouTube, sur Spotify, sur Facebook. Enfin, tous les réseaux, on connaît. Il y a d'autres morceaux là prévus ? Il y a quoi dans ton ordinateur ? Peut-être des collabs ?
Ouais, il y a plein de nouveaux morceaux. Il y a des chouettes collabs avec pas mal d'artistes français. J'ai pas trop m'avancer dessus, je le garde un peu en surprise. Ah, je peux pas. Je le garde en surprise pour Fun Radio. Bon, promis. Promis et exclusif. Dès qu'il sort, tu nous l'envoies. Directement. Oh, très bien, ça va. Mais c'est vraiment chouette. Il y a plein de bonnes nouvelles, plein de chouettes choses. Et on continue à travailler tous les jours. Et on continue à s'amuser tous les jours et à grandir petit à petit. Quoi. Bah, écoute, franchement, Henri, c'est toujours un plaisir de t'avoir en interview parce que t'as le sourire. Voilà. Bah, merci, mais toi aussi. Mais même tu perds la demi-finale de Coupe du Monde, mais t'as le sourire et ça, c'est cool. Trois choses à retenir de l'interview de Henri PFR, c'est qu'il est pour la France face à la Croatie pour la finale de la Coupe du Monde. Ça fait plaisir. Tout mon Roland, ce sera à vivre sur Fun Radio le 27 juillet sur la main stage à 18h05. Et si vous n'êtes pas là à la main stage, je joue sinon le 26 juillet au Gatering. Et puis je joue le 21 juillet à la Smash the House de Dimitri Vegas et Like. Le 22 juillet. Et puis le nouveau morceau qui s'appelle Catching Butterflies. Henri, merci. Check. Merci beaucoup Fun Radio et merci pour votre soutien. Et merci d'être ici, c'est trop cool, vous êtes les meilleurs. Henri PFR était en interview ici depuis l'Electro Beach Music Festival sur Fun Radio.